recette tout le monde remet. Même le monde qui a fait régime yo pas résister à la recette ça. C'est pizza. Mais je dis à bon, bah non, pizza qui est accessible à tout le monde. En fait, le monde t'a aimé, t'a souhaité qu'on fait pizza, mais fait pâte là qu'on du printemps et puis qu'on difficile pour certaines personnes. Mais que nous fait pas pizza déjà. On recette pour faire pas pizza spécialement nous t'y réaliser la donne. Mais je dis à bah, faire pizza sans pâte. Oui. Pizza sans pâte, mais mon petit monde 6 ans qu'a réalisé. Petit matelot le café. Ok? Donc, c'est vraiment un bagage facile, accessible à tout le monde. Ok? Avant, salutations à tous les membres de cette chaîne, à Lydie Pierre-Louis, à Colette Le Pro, à Winette Joseph, etc. À tous les membres de cette chaîne. Et puis, si ça vous tente de devenir membre de cette chaîne, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Join ou bien rejoindre en dessous de cette vidéo ou de n'importe quelle vidéo qui se trouve sur la chaîne et puis choisir un plan de support. Ok? Ou si vous voulez, vous pouvez toujours supporter la chaîne par PayPal à l'adresse gaspardorignien@gmail.com. PayPal. Si vous êtes en Haïti, vous pouvez le faire via mon cash 36 72 25 58. Allons voir tout de suite les ingrédients et les matériels nécessaires pour réaliser cette pizza sans la pâte. Ensemble, ingrédients avec matériel, on a besoin pour nous faire pizza sans pâte. On a besoin de moule à pizza. Là, moi, j'ai un moule non-stick, ça veut dire qui n'est pas collé, qui mesure 13 pouces. On a besoin de pain tranché. Oui, pain tranché. Moi-même, c'est moi qui vais ajouter. Je mettais olive vert en tranche. Ok, mais en général, je mettais olive noire dans la pizza. Mais je mettais olive vert comme pyramide olive vert là. Mais sur l'eau, on a toujours mis olive noire là. On a besoin de sauce à pizza. Moi, je montre comment on a fait ça déjà sous chaîne. Non, ça, c'est une sauce à pizza qui gagne saveur l'ail avec basilic. On a besoin de fromage râpé et mozzarella. Bon, là, mais ça, on va l'utiliser. Mais petit, petit sac dans le coin là, c'est reste ça. Moi, j'ai utilisé pour me faire gratiner poulet. Je vais faire avec option pepperoni, mon te mettre jambon ou bien n'importe l'autre viande nouvelée ou bien fou de mer. Je mettre les oignons là-dedans. Je vais mettre les oignons violets qui tranchent. Je vais besoin d'un couteau pizza. Je vais mettre le lien dans la description si vous avez quelqu'un qui va gagner pour nous commander. Et puis, éventuellement, je vais besoin d'un couteau pain. Voilà, c'est ça seulement on a besoin. Avec un four, bien entendu, pour nous faire pizza sans pâte. Là. Pour le bagage, nous allons faire, c'est préparer base pizza. Base pizza, c'est gagner pâte là dans le fond moule là. Bon, comme nous ne pouvons pas utiliser pâte, nous allons utiliser un élément qui est accessible à tout le monde, c'est pain tranché. Oui. Même mon café régime, c'est un café avec pain tranché complet. Comme ça, nous n'avons aucun problème de conscience. Pain complet qui vient très peu de calories, etc. Bon, voilà, on va commencer par installer pain. Comme ça. Ok. Essayer le plus possible coller dans bordure là pour ne pas quitter le joint. Allez. Ok, voilà en longueur supposé prendre 3 tranches pain comme ça, mettons tranche de chaque côté comme ça.
maintenant, il était qu'on y a là pour nous combler quatre côtés de ça. Ça c'est bien là comme ça. Ensuite avec tout ça, fini, voilà, on coupe le bon ça et puis voilà, on coupe le bon ça, on fait un bon ça tout. Ok, avec ta assemblé, ok, lève, fin, ranger pain dans le fond. Ok, maintenant, nous allons aller garnir la pizza. C'est pour nous allons faire pizza. Ok, après, c'est pour nous assurer que le pain est bien entré dans le moule là. Bien chita. Ok, c'est fait. Maintenant, nous allons commencer avec sauce tomate. Pour moule ça qui fait un diamètre 13 pouces, ok, mais utiliser une tasse écart de sauce tomate pour pizza. Après bien nous montrer comment pour faire ça déjà sous chaîne là. Si quelqu'un qui t'a aimé comment pour faire sauce pizza, yo café, café avec saveur voulée, le goût voulé. J'ai fait la dernière fois comme j'ai fait avec champignons. Et ça, c'est avec basilic et puis l'ail qui gagne comme saveur à part de tomates utilisées là-dedans. Ok, changez, rejoignez sous Shenza. Opération ça finit. Et bien, pour nous là, nous allons ajouter fromage. On commence avec reste fromage que j'ai utilisé. Reste fromage que j'ai été. Après, nous avons fini faire. Gratiner pour l'air. Ok. C'est tout ce que ça a donné.
Je vais oublier de faire. Bon, le four est préchauffé. Je vais chauffer le four entre temps. Je vais l'humer. On va arriver plus loin. Ok. Là, on a généreusement recouvert le pain et la sauce tomate d'une bonne couche de fromage. Ok. On y a. On met tes oignons. Donc, on va mettre des légumes, vous voulez. On va mettre, si vous voulez, le poivron, des trucs du genre. Moi, je mets des anneaux d'oignons. Ok, on va mettre pepperonino. C'est mieux que nous mettons les pepperoni avant les oignons. Nous allons vous faire les mêmes oignons. Mettez les pepperoni avant les oignons. Si nous mettons les oignons. Nos olives sliced qui en rondelles coupées déjà. C'est pas beau. Bon, alors pizza noire là fin bien arrangé, ok, et il paraît la blanc là-bas fou. Comme faut nous annoter fait lui-même. OK, on attend 10 minutes là encore et puis nous va le mettre en bas four pour 15 6 fois bas bon tant pas là maximum 20 minutes. Mais 15 minutes on dit 13 15 minutes à supposer bon pour pizza là par. OK, en plus que pas gagne pain et pas gagne pâte qui va le cuire. Donc c'est juste fromage là qui pour melt, c'est-à-dire qui pour fondre ensemble avec sauce tomate là et puis voilà, c'est tout. OK, en temps 10 minutes pour la mettre dans bas four pour 15 à 20 minutes maximum, tout dépend de performance four. OK, là four noir, on estime les chaud assez et ben mettez pizza. J'ai de 15 minutes ou 20 maximum pour pizza noire bon. Et puis nous avons toujours de temps en temps vérifié pour voir dans qui point lié. À tout à l'heure. Mes résultats noirs après environ 20 minutes dans four tête droite noire. OK, là je dis à nous pareil là, vous voyez, nous allons commencer à trancher et puis on passe à la présentation. Ben, on présente la bonne branchée. OK, à tout de suite. Sur fait mon leçon là qui dit comment on fait faire pizza sans pâte là et ouais niveau et screenshot recherche sur sur Wikipédia vous dit ouais pizza va faire sans pâte. Eh ben OK, oui, sans pâte. Vingade vidéo ça n'a pas même fait sans pâte. OK, pas de pâte rien. Vingade. OK, bagari m'attend oui pour en bas vidéo ça, m'attend commenter en bas vidéo ça. Et puis bientôt nous avons l'autre pizza encore, on l'autre jambe à faire pour nous, mais sans pâte encore. OK, sans bon obligé, hein, pas de farine, etc. pour ne faire pas de pâte. Et bon alors, goûtez ça pour vous goûter, ça nous coupe. C'est là en direct, il va le bail à ville. OK? Eh bien, quand là, une belle santé. Avec plaisir. Bon, vous pouvez vous. Hello tout le monde.
Mais déjà, dans palette là, ils ont vraiment belle apparence. On ne dirait pas que c'est pas pas normal pizza qui en balle. Moins calories, ou nos cafés avec pain complet, ok. Donc voilà. Et puis. C'est vraiment très bon. Parce que là, il n'y a aucune différence. Dans texture là seulement, texture pain. Bien sûr, les différences avec texture pâte. Mais c'est très bon. C'est une bravo. Expérience que belle vous... innovation. Merci. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bon. Vous venez dans l'autre pizza là encore, bon, ben, c'est pas moi qui ai inventé non plus, mais qui a fait sans pâte encore. Donc, si vous appréciez la pizza, ça va venir dans l'autre pizza. Dites-moi dans les commentaires comment nous apprécions ça, l'enfin fait pour nous offrir encore une autre pizza sans pâte. Ok? Bon, eh bien, moi-même, petit matelot, tout le monde là, nous allons enjoy pizza sans pâte. À bientôt!